Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle monnaie qu'il y aura sur Call of Duty Zombie Cold War. Parce qu'en réalité, il y aura une nouvelle monnaie, un peu comme les liquides divinium sur Black Ops 3, ou par exemple, les clés de cryptage qu'il y a sur Call of Duty IW. Alors cette nouvelle monnaie sera appelée les cristaux d'Ethereum. Ces cristaux vont vous permettre d'améliorer vos compétences de joueur ou d'armes. Par exemple, dans les armes, vous allez pouvoir débloquer des variantes avec des accessoires en échange de cristaux. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de cristaux. Il y a les cristaux bruts et il y a les cristaux parfaits. Les cristaux bruts, vous pouvez les gagner aléatoirement en faisant des manches. Donc, c'est des cristaux que vous allez gagner tout simplement en jouant et ce sera aléatoire. Par contre, les cristaux parfaits, vous allez devoir compléter soit des défis, soit faire des grosses manches ou autre chose pour mériter des cristaux parfaits. Alors bien entendu, ces cristaux, vous pourrez les acheter avec des points code ou de l'argent réel, comme c'est tout simplement un nouveau système de microtransactions de Call of Duty Cold War, vous pourrez tout simplement vous en procurer en payant. Alors cependant, je n'en sais pas plus, mais dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications pour savoir toutes les informations à propos du mode zombie de Cold War. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.